Ah, j'en peux plus. Vous allez nous achever. Oh là 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 là. Et faites attention à la descente. C'est vrai, oui, c'est ça, c'est de la descente. Ouais, on y va doucement. On ne court pas sur la descente. Oh là là, moi si je me rétame pas là. Bonne brave bête. Je t'aime. C'est bon. Allons-y. T'as sauté un peu loin avec Bagheera, toi, non? Non. C'est toujours sympa comme ça d'avoir un peu de musique pendant le trajet. Non, mais à la rigueur, ça aurait juste envie de m'arrêter et d'écouter. Bah oui, c'est bien vrai. Posons un feu de camp, des chaises. Voilà, et écoutons la musique, profitons. Attention, c'est mon passage préféré. Allez, enfin. Je passe une très 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 bonne soirée. Et le lasso, regardez, elle vous prend dans ses lassos. Ah, vous l'aviez. Ah, apparemment, il est trop lourd. Lourd pour moi. Non, mais je ne vous permets pas. On y va? Ouais, allez, on y va. Et allez. Avant qu'ils nous ressortent l'album. Ah bah là on va finir en best-of. J'arrive dès que je peux. On se fera pas. Il a dit j'arrive dès que je peux. Donc il va y avoir quelque chose. Hey, la tour, t'es fatiguant à la fin. Et après, je suppose, c'est l'édition collector ou... De luxe. Ce n'est pas une expédition ordinaire. Mais non, vas-y, laisse ta musique, ça fait du bien, ça détend. Ça détend. Voilà. D'accord. Ah. Bon, sinon, on peut faire le trajet sans parler, sans rien dire. Ah non, mais je sais pas pourquoi, je sens que les droits d'auteur arrivent. Ah, pardon. Non, pas de soucis. Ah, c'est vrai. Oh, pas de soucis, on est là pour passer un beau moment. Tu vois, tu fais que des conneries. Alors ? Eh ben, rien à signaler, mais par contre, si vous vouliez utiliser le grappin, c'est foutu. Ça, je sais, t'inquiète pas. Quelle voix suave que vous parlez dans la grotte. C'est pas le moment de chanter, là. Attention. Ouais, non, je pense pas. Ça va mouiller. C'est rafraîchi bien. Et t'as quasiment perdu. Ça va, je suis toute mouillée. Bah ouais, bah moi pareil là. Je suis trempée. Ça faudra qu'on aille... Je suis ravi de vous recevoir, mesdames. Oui, bah on ira se sécher ailleurs. C'est même pas ça, c'est que... Regardez la hauteur. Vous, ça arrive... Mais oui. À votre poitrine. Vous, ça vous arrive... Oui, voilà. On est bien. Ça donne envie de faire pipi après. Effectivement. Ah, bah vite, on s'en va. Oh non, retenez-vous. Partez donc, il va pisser dans l'eau. Attention, ça descend d'un coup. Je sais pas nager. Venez voir ici. Je sais pas trop nager. Non mais vous inquiétez pas, on l'adore remarquer. D'accord, pas pour moi. Ok, là je suis dans la merde. Mais dame Kira, vous inquiétez pas. Là, une petite berce de l'autre côté. Ouais bah je vous regarde... Ayez confiance. Ouais bah je vous regarde faire, je sais pas trop nager moi. Oh là là. Oh là là.
c'est vraiment Saint-Patrick ici. Ça fait. C'est quoi se noyer ça? Ben non. Je sais pas trop de viager. Vous êtes avec la brigade. Ça change pas le fait que je sais pas nager. Mais si, vous avez réussi, c'est pas. Depuis les marches, il y a un seul pied dans l'eau. Qu'est-ce que cela? Moi je vois une main, Moi je vois bien un gorille, je reconnais bien un gorille. Ah oui, après, à droite, en bas à gauche, on dirait une araignée, en haut à gauche, un dragon, en je haut, dirais. Je vois pas du tout ce que c'est. Je dirais un dragon, c'est quelque chose qui est ailé. À droite, en haut, on dirait un... C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il y a deux créatures ailées en haut. Coucou. Qui c'est qui a cette... Quoi? Qu'est-ce que... Et donc, ouais. Qui c'est qui parle qui... Moi, je pense que c'est le brigadier qui n'est actuellement pas présent. Comment ça me faire par votre brigadier? Je suis sur le toit. Bah... Ok. Quoi? Où ça? Quel toit? Non, je peux le toit de dessus. Oui, j'ai sauté de passerelle en passerelle, au final, y'a rien, je suis déçu. Oh là 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 là. Je fais une petite pause, j'ai mal aux jambes. Oh là là. Et j'étais tout là-haut, moi. C'est pas facile. Oh bah ouais, dis donc. J'ai un truc qui me gratte. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est une sangsue. Ah non, j'aime pas ça. Faut... Quelqu'un peut me l'enlever. J'ai une saloperie, je crois, accrochée. S'il vous plaît, madame, enlevez-la. Moi, j'ai un truc accroché dans. C'est rentré dans le. Dans la... Au niveau de la poitrine. Pas, il faut quelqu'un. Non, non, vous... non, essayez, s'il vous plaît, essayez, mettez. Oh là 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 là, je suis désolée. Mais... Non, non, s'il vous plaît, c'est au niveau de la poitrine, s'il vous plaît. Je suis désolée, faites mais chose. Que je n'y arrive non. pas. Si, vous pouvez, vous avez des doigts fins. Ah non, c'est pas vrai, je vais. Oui, j'ai mais pas je ne la trouve pas. Oh non. Monsieur John, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui, j'ai une sangsue au niveau de la poitrine, s'il vous plaît, enlevez ça. J'ai s'il vous plaît. Ah, ça gratte. Mais fais quelque chose, voyons. Oui, oui, oui. Mais attrapez-la. Ah, ça gratte. Ah, saloperie. Mais on ne vous a pas demandé de la. Vous l'avez enfoncé là. C'est bon, je crois que je la tiens. Ah, c'est bon. Non. Si, c'est bon. Oh la vache. Enfin voyons. Oh là 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 là. Ah ça m'a arraché le... Oh la vache. Ça a failli m'enlever un nez, dis donc. C'est violent. Oh là 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 là. Allez, faut dire toi. Allez hop. Oh mon dieu, bah monsieur Katsumoto. Bah, j'ai eu un problème, j'ai eu une sangsue... En fait madame n'arrivait pas à me l'enlever, j'ai eu une sangsue au niveau de la poitrine. Du coup c'est monsieur John qui a dû l'enlever. C'est bon. Ouais, c'est bon, il a réussi à l'enlever. Bah, au début, il l'a renfoncé, du coup, elle m'a pompé à moitié, mais là, c'est bon. Oh. Et vous oh. Oui, oui, bah le sang, hein, forcément. Hein. Enfin, voilà. Bon, sortons. Je propose qu'on sorte de cette boîte. Tout à fait. Vas-y, je vous suis. Y aura-t-il un deuxième mariage? Non, mais c'est pas vrai. Bah, dis donc, ça traîne un peu la patte derrière. J'avais une sangsue dans la poitrine. Ah, bah, bravo. Elle s'appelait Monsieur John. Ah bah on ne choisit non, pas. Non, alors attendez, commencez pas. J'ai demandé à madame, elle arrivait pas à l'enlever, d'accord? Et la seule personne qui était encore sur la passerelle, c'était Monsieur John. Tout le monde s'est barré. Et comment elle a fait pour entrer là? Bah dans la flotte, j'étais en train de nager. T'as vu nous, on a bah de l'eau jusqu'à la poitrine. Et le problème avec les t-shirts qu'on a, forcément, tu vois bien, regarde. Col en V, donc forcément. Ça fait appel d'air et hop. Et moi, ça veut dire quoi alors? Bah oui, ça fait appel d'air autre part. Tu veux être le pistolet? Je ne sais pas, c'est chez qui ici? Alors ici, c'était la maison de mon ami Gizzy, qui est décédé. Et en fait, il m'a légué en fait, l'intégralité de ses biens. Donc là, en fait, c'est ça le fameux déménagement. Je vais récupérer l'intégralité en fait, des biens de monsieur Gizzy. Très bien. Vous pouvez visiter, n'hésitez pas. Hein, allez-y, c'est ouvert de toute façon. Moi, je récupère ça, moi. Non. T'es le mien. Je vais mettre dans l'iguanodon. C'est mes méduses. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai trouvé ça. Oui, j'ai eu la même réaction. Donc, oh! Mais t'as chan... ça te va bien. Ça réchauffe le teint. Ça réchauffe le teint. J'ai trouvé ça. Bah écoute, ça change de style. Hein. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Ah, il y a un moustique qui va piquer le doigt. Ah oui, comme je disais, avec le travail, là forcément on me le trouve le temps de décompresser.
ils aimeraient faire un petit projet, fonder peut-être un foyer. Heureusement que la tour il entend pas ça, sinon il serait fou. Ah bah oui, là c'est vrai que là, ça serait foutu. Mais où se détendre? Non mais je vais lui dire qu'on va être là. Non, ça arrive. Non mais c'est vrai que c'est un très beau projet, ça c'est bien, c'est bien. Ouais, tout à fait, mais il faut trouver la dame qui... Bah c'est qui ça, accepte... Faut trouver la dame, la dame. La dame comme ton ours par exemple. À part que c'est le mâle. Non, c'est plus un mâle, c'est un castor. Ils auraient besoin de quelqu'un parce que tu sais, elle travaille à la brigade. Bah, c'est dur. Puis bah, ils auraient besoin de trouver une compagne pour décompresser. Il aurait besoin de réconfort. Voilà, de quelqu'un qui saurait le réconforter après une dure journée de travail. Tu veux tout de suite pour voir si elle est pas trop lourde. Madame Kira. Oui. Moi je paye moi. Non, c'est bon. Katsumoto a besoin de vous. Non, alors attendez, déjà on verra, d'accord. Ça se fait pas comme ça les choses, d'accord. Plus si affinité, faut voir avec le temps. Si les personnes s'entendent bien et tout, pourquoi pas. Mais c'est moi, je n'aime pas comme ça sur le moment. On se marie pas avec quelqu'un comme ça tout de suite. Non, moi je suis pas comme ça. Je préfère. J'apprends à connaître d'abord la personne, voir comment elle est, si on s'entend bien. Après, pourquoi pas, je ne dis pas non. Mais je ne fais pas comme ça, moi. Je pense que le brigadier Latour devrait se reconvertir en agence matrimoniale. Ouais, je pense que ça pourrait être un bon truc. T'as dit quoi? T'as dit t'as juste à payer et t'as une femme? C'est ça? Non, ça c'est une pute. Oui. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il veut juste une femme pour les soirs. Hein. Non, il a dit pour la réconforter la nuit. Alors oui, elle réconforte, mais pas... Voilà, elle réconforte autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais ça va? Ah, ça va, ça va. Ok. Vous aurez plus ici à des petites sauces que... Allez-y, allez-y. Qui pourrait peut-être se concrétiser. Réfléchissez. Et tout à fait. Eh bah cette expédition aura... Ah là là, dis donc, ah bah là c'est... Ah bah oui. De l'aventure, de l'amour et autres.